j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un petit haul AliExpress avec des pièces très colorées pour apporter un petit peu de peps à notre journée. Aujourd'hui, nous avons du style bobo. Vous savez que j'adore ce style-ci parce que je le trouve vraiment très élégant, en même temps décontracté. Si vous prenez un petit peu de poids comme moi, vu que c'est assez fluide, on s'en rend pas trop compte, hein. Donc ça, c'est idéal pour les gourmandes qui ont souffert comme moi de la canicule et qui ont été obligées de manger glace sur glace. Hein. Enfin, je dis ça, mais je continue toujours et c'est plus la canicule. Hein. Mais bon, faut toujours trouver une bonne excuse, ça passe mieux. Mais en tout cas, voilà, vraiment de très très belles pièces et avec des couleurs, mais j'adore. De toute façon, déjà cette couleur-ci, je pense que vous l'avez repérée si vous êtes comme moi. Une accro de la couleur violette, c'est une de mes couleurs préférées, voilà, donc je la kiffe. Et nous avons même, j'allais dire coloré, mais non, nous avons même accessoirisé aujourd'hui Madame Pendry, parce qu'elle s'est dit, oui, moi aussi j'ai le droit d'être un petit peu accessoirisée, voilà. Ah. Bon écoutez, en tout cas, on va passer maintenant aux essayages des pièces que j'ai achetées. Je vous les montre, je vous montre aussi ce que ça donne une fois porté et je pense que vous allez vraiment kiffer ce haul parce que les pièces, mamma mia. Allez, c'est parti, let's go. Et puis on y va. On commence avec cette robe élégante style bobo. Les couleurs sont très soft, comme vous le voyez, c'est pas un jaune hyper pétant. La coupe est juste géniale, la matière également, c'est vraiment très très léger. Vous pouvez la porter soit large, sans ceinture, c'est ce que je fais quand j'ai trop mangé ou que je me sens un petit peu gonflée. Et quand je me sens un petit peu svelte et sans bide et que j'ai envie de faire péter la ceinture, et bien vous avez la petite ceinture avec. Voilà. Après, les deux styles vont très très bien avec ou sans ceinture. Je pense que vraiment il faut s'adapter suivant comment on se sent, si on se sent un petit peu... voilà quoi, hein. Mais en tout cas, elle est vraiment hyper, hyper jolie. Elle est très élégante. Elle fait un peu kimono. Je sais pas si vous voyez, mais moi, j'ai l'impression que ça fait kimono. Avec une petite encolure comme ceci. Les petites fleurs sur le haut, sur les épaules et manches. Enfin, voilà. Et le bas, je crois que ça faisait kimono. Mais la particularité, c'était les petites franges. Voilà, les petites franges, ça donne un petit côté bobo. Et elle est vraiment magnifique. Hein. Je pense que pour les personnes avec toute morphologie, elle ira. Et ça, c'est hyper, hyper important parce qu'on n'a pas tous la même morphologie. Donc, cette robe-ci, je pense qu'elle peut plaire vraiment à pas mal d'entre vous. Et toujours dans le style bobo, nous avons cette robe-ci. Alors, je tiens à vous dire que la première fois que je l'ai vue, sur AliExpress, j'ai d'abord regardé la photo avec le mannequin. J'ai trouvé magnifique la photo et quand j'ai vu la photo juste de la robe seule, je me suis dit, oh là là, on dirait la robe de la petite maison dans la prairie. Mais vraiment, vous savez, les robes, les vieilles robes à petites fleurs et tout ça. Donc je me suis dit, est-ce que j'achète? Est-ce que j'achète pas? Est-ce que j'achète? Est-ce que j'achète pas? Mais j'ai acheté au final, mais qu'elle était pas bien chère et je ne regrette pas. Parce qu'elle est finalement canon. Il faut bien l'accessoiriser avec un petit chapeau, des petits bijoux un peu style bobo et une petite ceinture comme celle-ci que je vous avais présentée lors de mon dernier haul AliExpress. Et puis bah, ça vous fait un style que j'adore vraiment. Au niveau de la longueur, comme vous voyez, elle est longue. Je fais 1m54, elle me va quand même avec des tongs. Je tiens quand même voilà, vous préciser parce que ça c'est important. Mais si vous êtes plus grande, bah, c'est pas bien grave parce que ça peut se porter justement un petit peu plus haut. On continue avec la dernière pièce bohème. C'est un ensemble de pièces d'ailleurs. Sachez que ce n'est pas qu'une seule pièce. Après, bien entendu, vous pouvez porter soit que la jupe, soit que le haut. Comme vous le sentez, il n'y a pas d'obligation de toute façon de porter les deux ensemble. Mais les deux, je trouve que c'est aussi assez sympa. La jupe, c'est un petit peu plus court vers l'avant et ensuite un petit peu plus long vers l'arrière. C'est une couleur vert jasmine que j'adore. Mmh. Donc voilà, oui, ça me rappelle à chaque fois jasmine. Et puis bah, moi, j'aime bien qualifier les couleurs comme les enfants. Pas forcément trouver le vrai nom, mais à chaque fois, je dis ouais, c'est vert jasmine parce que ça me rappelle jasmine ou... Rose cochon, ça me rappelle un petit cochon le rose par exemple, hein, et voilà. Et puis vous avez le petit top, très mignon aussi, un petit peu style, bah justement jasmine, vu que c'est vraiment un petit top que vous serrez vers l'avant, vous faites un petit nœud, des petits froufrous au niveau des épaules.
Mais sachez juste une chose, c'est que il est quand même assez difficile à être porté avec un soutif. Le mieux, c'est sans, si vous assumez, parce que sinon, on peut quand même le voir en fait, même si c'est un couleur chair. C'est peut-être le seul inconvénient pour ce petit top que je peux vous dire. Je vous avais dit que j'avais des tops avec des manches bouffantes à vous présenter et voici le tout premier. Alors les trois tops que je vais vous montrer viennent de la même boutique et niveau qualité, je peux vous dire que franchement, c'est top et même niveau prix surtout. Et là, celui-ci, j'adore la couleur. Franchement, pour l'été, c'est le genre de couleur que vous pouvez porter presque tous les jours. C'est un beige très très clair. La coupe, elle est géniale. Et puis c'est pareil au niveau de la matière. Vous pouvez transpirer. Là, il n'y a pas de souci. Vous avez des petits boutons. Vous voyez, vous l'accrochez avec trois petits boutons vers l'avant. Et ensuite, au niveau des manches, eh bien, vous avez ces manches bouffantes. Là, en trois parties, comme ceci et ça. J'adore, ça vous donne vraiment un style. Je suis trop contente qu'en fait que ce genre de haut, ça ressort entre guillemets un petit peu d'actualité parce qu'on en voit énormément sur Insta en ce moment. Mais voilà, franchement, ça j'adore et j'aime beaucoup le porter avec la jupe que je vous avais présentée aussi lors du dernier haul AliExpress. N'hésitez pas à zioter quand même parce que l'avantage avec AliExpress, c'est que en fait, les pièces qu'on vous montre, des fois, elles sont encore accessibles au bout d'un an. Moi-même, dans mon panier, j'ai des fringues. Ça fait un an qu'ils sont dedans, que j'ai toujours pas acheté. Donc, c'est pour ça que c'est assez cool, les hauls Ali. Moi, je vous les conseille vraiment parce que si vous n'êtes pas sûr, vous mettez dans le panier. Puis après, vous avez le temps de la réflexion ou de mettre les sous de côté si, voilà, si c'est pas le bon mois et que vous n'avez pas l'argent pour acheter ce que vous voulez. Après, le deuxième haut. Toujours de la même boutique, c'est un haut noir. Là, c'est manche bouffante, mais on va dire une seule bouffante. Hein. Voilà, vous n'avez pas les trois parties comme celui-ci. Et puis, bah, j'aime beaucoup ce petit côté transparent en plus. Ça me rappelle un petit peu tout ce qui est danseuse. Vous savez, lors des soirées à Paris, les gens qui mettent des choses comme ceci. Enfin, voilà, c'est très élégant. C'est assez court. Sachez que c'est vraiment un bon crop top, celui-ci, par contre. Mais voilà, au niveau de la coupe, très très beau, il est hyper agréable à être porté. Et vous avez la petite lanière que vous allez croiser au niveau du ventre et tout, qui vous redonne encore un petit côté, je sais pas, moi ça me rappelle vraiment les danseuses, vous savez, les chaussures avec les petits lacets et tout. C'est ce que ça m'inspire, après vous, ça vous inspirera peut-être autre chose, mais j'ai adoré cette pièce-ci. Et je sais qu'ils vendaient aussi en violet ou en rose, et je pense que je vais l'acheter, parce que là, je ne regrette absolument pas cette pièce-ci. Et la deuxième pièce, mamma mia, je vous l'ai déjà dit, celle-ci je sais, mais la couleur, oh, tellement belle. Oh, là, ça me rappelle Réponse. Après Jasmine, on passe à Réponse. Disney, sors de ce corps. Voilà, elle est tellement belle, enfin ce haut est tellement beau plutôt, hein, voilà. Mais vous avez là cette fois-ci un côté bouffant en deux parties. Et c'est beaucoup moins crop top que l'autre. Donc vous aurez peut-être plus envie de porter celui-ci. Enfin, ça dépend des personnes, mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand c'est trop court. Mais celui-ci, je trouve qu'au niveau taille, c'est beaucoup plus long. Avec un jean taille haute, je pense qu'on verra pratiquement même pas votre ventre. Mais voilà, il est très joli. J'adore. J'adore la couleur. En plus, c'est assorti aux fleurs. Hein, et c'était pas fait exprès. Et on finit avec deux pièces. Donc, une pièce, c'est une jupe. C'est une jupe rose à froufrou. Et pour du froufrou, il y a du froufrou, mais elle est kiffante. Hein. Celle-ci, par contre, elle n'est pas trop transparente. Hein, parce que je trouve qu'avec les froufrous, ça cache bien quand même. Mais mettez toujours un fond de robe si vraiment, ou plutôt un fond de jupe, si vraiment ça vous gêne. Mais elle est trop jolie. Ah, j'adore. Franchement, j'adore le style. Et pour finir, petit accessoire, des boucles d'oreilles style bobo que j'ai trouvé, je crois, même pas 1 €. Et sachez que ces petites paires de boucles d'oreilles, elles sont hyper, hyper légères. Ça n'a pas de prix. Parce que je peux vous dire que les boucles d'oreilles que j'achète qui sont trop lourdes et qui sont importables ou qui me font mal, c'est plus possible pour moi. Je sais que je suis arrivée à un stade où maintenant, j'ai envie de m'habiller, d'être élégante, mais d'être aussi à l'aise. Parce qu'avant, je pouvais très bien porter des boucles d'oreilles lourdes, des chaussures qui me faisaient mal, du moment que j'étais élégante, c'était pas grave. Mais maintenant, je cherche quand même le confort parce que c'est hyper important d'être bien aussi dans ses chaussures, dans ses fringues pour la vie de tous les jours. Et voilà, elles sont trop trop jolies. Je vous montre aussi ce que ça donne au niveau de ma petite boîte à bijoux d'ailleurs que j'ai construit moi-même. Donc si ça vous intéresse,
Je vous ai fait un petit DIY aussi, si vous voulez en construire une tout simplement. Mais voilà, j'adore. J'adore cette boucle d'oreille. C'est fini pour ce petit haul, j'espère qu'il vous a plu. Je vous mets tous les liens des articles que j'ai achetés en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à jeter si ça vous intéresse. Mais je vous conseille quand même vivement de regarder un petit peu ces magasins-ci parce que niveau qualité-prix, ça vaut le coup. Je sais que moi-même, j'ai pas un budget hyper énorme niveau fringues vu que bah, je vis toute seule et que c'est pas forcément facile tous les mois de mettre des sous de côté. Donc du coup, je vais toujours faire des fringues qui sont pas trop chères mais qualité aussi. Et là, je peux vous assurer que vraiment, je ne regrette absolument pas. Voilà. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram si vous voulez. C'est Annabelle YouTube sans le E à la fin. Et je vous fais toujours des petites avant-premières puisque je prends souvent en photo les vêtements que j'ai achetés avant de vous les mettre en vidéo. Voilà, donc si vous êtes des petits impatients ou impatientes, n'hésitez pas à me rejoindre là-dessus. Et puis bah, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de très très gros bisous. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et profitez bien du beau temps s'il fait beau chez vous. Si vous êtes en vacances, profitez également. Et si vous travaillez comme moi, et bien écoutez, travaillez dans la joie et dans la bonne humeur. Bisous tout le monde.